Bonjour, je m'appelle Carole Crépin, je suis française, j'ai 33 ans, je suis née en Corée du Sud et j'ai été adoptée en 1984. Mon nom coréen est Shohira et je recherche ma famille biologique. Merci de m'aider. J'ai toujours su que j'étais adoptée, puisque ça se voyait, je ne ressemblais pas vraiment à ma famille adoptive. Cela n'avait pas d'importance et j'étais une enfant très heureuse. J'étais une élève très sérieuse. Tout au long de ma scolarité, j'ai travaillé très dur et grâce à cela, j'ai pu participer à la garden party de l'Élysée à la fin de mon collège. En 2003, j'ai été pour la première fois en Corée du Sud. J'ai eu la chance de faire un stage dans une université coréenne et j'ai fait de nombreuses expériences. Pendant mon séjour, j'ai visité des jeunes, Seonju, Gyeongju, Jeju-do et j'ai même fait une randonnée à Soraksan, ainsi qu'un temple stay. J'ai goûté plein de plats délicieux. J'ai été à la halte et à l'orphelinat de des jeunes. Malheureusement, je n'ai pas trouvé grand-chose. La directrice de l'orphelinat actuel m'a remis un document où il est indiqué que j'ai été trouvée à l'hôpital Ulji à Daejeon le 3 avril 1984, que mon nom coréen est Shohira et que je suis née le 20 octobre 1981. Mais mon nom et ma date de naissance ne sont pas certains. Ce que je sais, c'est que mon groupe sanguin est AB+, que j'ai une cicatrice sur la joue gauche, une autre en bas du dos et une sur mon crâne. J'ai attendu 3 ans avant de pouvoir retourner en Corée. Avant mon départ, j'ai rencontré mon petit ami, lui aussi adopté coréen. Et ensemble, nous nous sommes inscrits au cours de coréen à l'université Kyung-hee. Nous avons rencontré beaucoup de gens à l'école, en voyage et aux différentes associations. Finalement, nous ne sommes pas restés parce que c'était difficile de vivre sans travail, parce que nous sommes un couple d'adoptés et à cause de la barrière culturelle. En France, nous avons fondé notre famille et notre fils Gaspard est né en 2011. Aujourd'hui, notre fils a 3 ans et demi. Aujourd'hui, je veux retrouver ma famille biologique pour présenter mon fils et pour partager plein de choses. S'il vous plaît, aidez-nous à nous retrouver. Merci.